Joe, tu es en train de censer. Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu me trouver un mégaphone? Oh. Tu as fait quoi avec ça encore? En plus, toi, oui, où je vais enlever ça? Tu m'as dit que c'est toi le papa qui a caché, non? Bon, d'accord. Mais je ne te promets rien. Chère population, je ne suis pas un messie, encore moins un prophète. Mais à la vérité, je viens apporter ma contribution. À l'édifice, je viens apporter ma pierre. Avec la misère dans laquelle vous vivez, il y a les gens qui pensent que vous vous plaisez dans ça. Je dis non. Les Jonquels ne sont pas une ONG. Les Jonquels ne sont pas une mairie. Alors cessons de les vénérer. Votre joli quartier s'appelle Freeman. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire le quartier des hommes libres. Mais est-ce que vous êtes libre comme ça? Non. Désormais, faisons bloc contre les Jonquels. Car trop, c'est trop. Luttons contre eux. Soyons unis et faisons bloc. Car personne ne peut arracher un homme sa liberté. Si vous êtes d'accord avec moi et que vous êtes prêt à lutter contre ce gang malfaiteur, criez avec moi. Liberté. Liberté. Je suis calé et puis je suis fort. Folio, ce n'est pas le plus important. Dans un discours, le plus important, c'est quand ça jaillit les gens. C'est pas ce que les positions font, non? Moi, je vais te dire ce qui est le plus important. Dans un discours, le plus important, c'est est-ce que ça va aider les gens à changer de mentalité. J'espère que c'est ce qui va se passer au quartier Freeman. Joe, laisse ça là. Quand tu connais les Africains, quand on les parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Sinon, Alpha Bondi a chanté. Tu viens de vous acheter du Zuru. Michael X a du tout Zuru. Oh, quand on les parle là. Je ne veux pas comprendre, on ne peut même pas tout cibler. Moi, j'espère que les populations des quartiers Freeman là vont se décider une bonne fois pour toutes à éradiquer ce phénomène de Jonquel qui ne finit pas. Là. Ça vous fatigue, non? Attends, c'est ça aussi les Africains. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mais moi, je vais leur dire la vérité bien. Folio. Et puis quoi? Je vais leur dire la vérité bien. Et puis. Ça vous voulez mettre ça dans un mouvement là, non? J'en nous sois quoi? C'est ça, non? Mais vous allez prendre cachette, fonce! Braqueur! Non, moi, elle est dangereuse, Matador, moi, il va partir. Quand ça quoi, ton cœur est mort, quoi? Hé, les gars, Sirisele! Hé, ramenez-moi tout de suite! Sirisele! C'est maudit là! Mais on est mort aujourd'hui là! Allez, Capim, ouais. Dispersez-vous. Hey, vous, là-bas, attrapez-la-moi. Ramenez-la-moi, vivez tout de suite.
Tomber sur ton babaki aujourd'hui, tu apprendras. Voilà, c'est toi qui as fait la fois dernière, non? Tu apprendras. Tu es mort. On a bien, fils. Ouais, on a bien, on a pas mal pour tout le monde. Ça est, mais c'est bien, fils. Got.
sais, Rose, je vais te faire une révélation qui va te choquer. Quoi? Les Junkers et la police sont en complicité. Oh, c'est ça qui t'étonne, quoi? Moi, il y a longtemps que moi, je suis au courant. Voilà pourquoi quand je me suis fait agresser, je ne suis pas allé porter plainte à la police. Policiers, Junkers, tout ça, c'est la même chose. Pourquoi tu es toujours dans ce quartier alors que tu sais ça, donc? Wuche, moi que tu vois là, autrefois, j'habitais l'un des quartiers les plus riches d'Abidjan, appelé Koukoti, avec mes riches parents. Mon père et ma mère étaient comme Roméo et Juliette. L'amour parfait. Je t'ai dit, les répercussions me tombaient dessus comme une pluie de bénédiction. Je fréquentais une école française. Toujours resto, au supermarché, dans les colonies de vacances à l'extérieur du pays. Mais tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mes parents n'ont pas pu supporter les bas et tout ont été séparés. Chacun a refait sa vie. Et des deux côtés, j'étais enfant et désiré. J'ai dû m'en aller. N'ayant rien, j'ai dû me réfugier ici où mes uns ont bouché. C'est ce que c'est chier les gens qui sont venus à faire. Et bouché, il y a toujours quelque chose à faire, Rose. Allez, viens. Je vais te faire une très belle surprise et je pense qu'on va oublier tout ça. Allez, viens. C'est ainsi est faite la vie. Il y a des hauts et des bas. Caresse-moi. Ouais, Margot. Et alors, péché? Comment tu vas? Ouais, ça va, ça va. J'ai un disque pour toi. Si tu as de la bonne marchandise, tu sais où me trouver. Non, 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 non. Pas chez toi, ça marche pas. Cette fois, chez moi. Ouais, rendez-vous à la rue 13. Parce que, il y a un adage ivoirien qui dit, quand on a besoin du plus, on sera à l'arrêt. Ok? Zazo. Ok, au revoir. Arrête là. Je te cherche depuis là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est là? Tu es en train de sciencer là. Il y a longtemps que toi tu es dans les quartiers, non? C'est quelle opération secrète des Junkers que tu maîtrises mieux? Cela. Le programme change à chaque arrêt. Sinon, la opération secrète dans le quartier ici, c'est quand tu te rends dans l'entrepôt de Mako. Tu vas chez lui. Tu sais quoi, mon amour, le devoir m'appelle. Généralement, tu rentres pas, hein. Je ne voudrais pas que tu rentres pas cette fois-ci. Oh là là, cette fois, je te promets, ma puce. Tu es tout beau à ce soir. Maléko, Umago, prends ma marchandise.
Scorpion. Oui, patron. Réunis l'équipe, on va voir pêcher. D'accord, patron. Clash. Vice-Rancien. Suivez-moi. Ok.